je fais à partir, je fais travailler les enfants, les débutants et jusqu'au galop 7. Et du coup, bah, petit à petit, on emmène les enfants à arriver à sentir, leurs chevaux, à utiliser leur RAZ. Et ça, ça commence assez rapidement. À partir du galop 3, il faut déjà qu'ils apprennent à les faire tourner correctement, qu'ils aient une notion du cheval qui va droit, voilà, ce genre de choses. Je pense qu'il faut qu'il y ait des enseignants déjà qui soient vraiment intéressés par la discipline et qui arrivent à l'adapter à tous les niveaux et en fonction des envies des cavaliers. Il y a des cavaliers qui vont rechercher du dressage poussé, il y a des cavaliers qui vont rechercher juste du dressage de base, arriver à passer des transitions, arriver à faire tourner son cheval correctement, arriver à s'équilibrer correctement sur son cheval. Et du coup, je pense qu'il faut savoir s'adapter au cavalier qu'on a et puis arriver à l'amener progressivement dans les séances en essayant que les gens y comprennent ce qu'on raconte surtout. Que ce soit pas un charabia qui leur paraisse impossible, il faut que ce soit vraiment accessible pour eux et qu'ils comprennent pourquoi on fait ça et comment on y arrive. Alors moi je suis venue avec un jeune cheval qui était très peu sorti, donc c'était l'occasion de le sortir à l'extérieur, de voir un petit peu son comportement, d'avoir un œil extérieur sur le travail, mais ça reste un jeune cheval, donc là ça va être surtout arriver à le mettre vraiment au travail. C'est ne plus le prendre comme un jeune cheval et vraiment le mettre au travail pour qu'il continue sa progression. Voilà.